Mes chers collègues, nous allons ouvrir cette séance de séance plénière qui va traiter de charges ambulatoires. Et vous avez pu remarquer que, grâce à l'organisation que fait Jean-Pierre Touboulet et Corinne Vance, on va avoir deux premières qui vont être présentées en début de séance sur cette séance plénière de charges ambulatoires, puisque l'Académie nationale de chirurgie souhaite être à l'avant-garde des nouvelles techniques et également pouvoir discuter rapidement des nouvelles techniques chirurgicales et des nouvelles technologies. Alors je vais donner la parole tout d'abord à Philippe Breil, notre secrétaire de séance, qui va vous lire le procès-verbal de la séance précédente. Alors, procès-verbal de la séance précédente consacré à la formation chirurgicale solidaire sous la présidence de François Richard et comme président de séance, M. Claude Huguet. On a commencé par une intervention de M. Mouly, président de chirurgie solidaire, qui nous a exposé deux expériences de chirurgie exemplaires au Mali et à Madagascar. Olivier Reinberg est intervenu pour donner son expérience sur la chirurgie pédiatrique en Afrique de l'Ouest. Deux questions, M. Xavier Poulikan et Jacques Barbier. Seconde intervention, M. Massard, qui nous a exposé comment on pouvait, à partir d'échanges d'étudiants ou d'étudiantes, il nous a montré des photos de ces étudiantes russes, échanger les étudiantes russes et le transfert de technologie, notamment en implantant la chirurgie de la transplantation cardiaque et de la transplantation pulmonaire en Russie. Monsieur Dominique Grunenwald a parlé, lui, de son expérience en tant qu'intervenant sur la coopération avec la Roumanie. Nous avons ensuite un excellent exposé d'Alain Gilbert sur la chirurgie de la main pédiatrique, avec intervenant monsieur Jean Dubousset et monsieur Éric Chesson, président d'une association caritative. Monsieur Alain Leduc a fait sûrement l'intervention la plus poignante de cette séance, puisqu'il a parlé des fistules obstétricales en Afrique, qui sont un véritable fléau et qui excluent de toute vie courante, professionnelle ou même humaine, les femmes qui en sont victimes, ce qui a donné lieu à une discussion avec une intervention de monsieur Dumurgier et des questions d'Olivier Reinberg, Philippe Bonichon, et un commentaire du général Saint-Julien et encore d'Éric Chesson. Enfin, Bernard Delettre a parlé de l'enseignement à l'étranger, élément indispensable au rayonnement de notre chirurgie, avec une intervention de Jean-Luc Bouillot et un commentaire d'Yves Chapuis. Pour terminer cette séance, Jean-Pierre Lechaud a fait un peu de philosophie sur l'objectif de chirurgie solidaire, avec là une discussion qui s'est instaurée avec comme intervenant M. Philippe Mar et des commentaires d'Yves Chapuis, Claude Dumurgier, Henri Bismuth, Bernard Delettre et Jean-François Mercier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions, des questions, des compléments à propos de ce procès-verbal ? Bien, merci. Le procès-verbal est donc accepté.